Jean-Paul Pierre, qui est le représentant de la municipalité chargé des relations avec le corps enseignant, avec cette classe qui est magnifique dans le cadre, etc. Et Jean-Paul Pierre va nous parler d'un sujet important, c'est la cantine, et surtout le prix dérisoire, 1 euro par enfant, du jamais vu, alors que tout explose, les prix augmentent, vous arrivez à baisser le prix de la cantine. Comment vous faites ? Eh bien là, écoutez, tout le mérite en revient à l'État. Une fois n'est pas coutume, hein, on entend beaucoup de critiques de l'État, mais là, on peut bénéficier d'une aide de l'État qui nous est proposée, à certaines communes, pas toutes malheureusement. Pourquoi ? Mais c'est une des communes qui sont éligibles à une dotation de péréquation rurale. Il y en a très peu. Ça veut pas dire grand-chose. Ah oui, là je n'entrerai pas dans les détails. Ça veut dire qu'on est une commune déshéritée. On n'est pas dans les plus riches. Voilà. C'est ça. Bon, de temps en temps, il faut en accepter les avantages et ne pas avoir seulement les inconvénients. Alors pour 1 euro, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'il y aura dessert ou entrée ? Mais bien entendu, ça ne changera absolument rien, puisque le prix que paiera, que recevront les prestataires de service, les prestataires de cantine, ça sera toujours le même. Peut-être qu'il augmentera, certainement qu'il va augmenter, mais l'État offre 3 euros par repas pour des enfants dont les parents ont un quotient familial assez faible. Ce qui veut dire que tous les enfants, même pas vraiment tous les faible. Enfants qui vont fréquenter les classes, qui voudront manger, il y en a qui, heureusement, appartiennent à une des familles plus aisées et qui paieront plus d'un euro alors. Oui. Ah, j'avais pas compris. Donc, ça, moi. Hein. Voilà, il y aura 3 tranches. Ça, c'était une des conditions pour obtenir justement cette cantine à 1 euro, hein, ce dispositif, pour en bénéficier, il faut qu'il y ait déjà 3 tranches. Ça veut dire que sur les 187 élèves, mettons qu'il y ait une centaine qui veulent rester manger, combien vont bénéficier de cette... Théoriquement, 66. 66, 33. Voilà, on a demandé aux parents de bien vouloir nous fournir soit leur relevé d'impôt, oui. Leur feuille d'impôt, soit leur quotient familial qui est fourni par la CAF. Bon. Donc, j'ai classé par ordre croissant, plus exactement. J'ai classé tous les quotients familiaux et j'ai fait trois tranches à peu près égales. Voilà. D'accord. Donc, on a... Les parents savent déjà qu'ils vont payer plus d'un euro. Oui, c'est déjà acté. Demain, ils vont avoir... Enfin, ça a déjà été publié. Demain, ils vont avoir une information sur papier qu'on va leur distribuer. Et donc, il y aura donc 3 tranches. D'accord. Une tranche à 1 euro, une tranche à 90 centimes et une tranche à 3 euros pour les familles ayant un quotient familial supérieur à 1300 euros. Deuxième question. Le sport ici à l'école de la Vigne, est-ce que, oui ou non, la mairie va faire un effort, va faciliter l'intégration de l'école de la Vigne des enfants à l'USEP ? Première étape pour faire du sport à l'école. Bon, là, j'en entends parler pour la première fois. Il est évident que je ne suis ni le maire, ni le conseil municipal dans son entier. Là, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que c'est souhaitable. Et si vraiment l'école a un projet, je pense que la mairie a toujours suivi. Donc, dans ce cas-là, si le projet est jugé viable par le conseil municipal, je pense que la mairie fera un geste. C'est d'accord. Sûr. La commune fera un geste. Merci Jean-Paul, et puis bonne saison scolaire, j'allais dire. Merci à toi Lionel, merci Michel.